Et salut à tous, c'est Skyos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu indépendant qui s'appelle The Pedestrian. Alors, je pense que Markiplier a déjà fait une vidéo dessus, je suis pas sûr, je l'ai vu, j'ai vu un commentaire de Markiplier sur la page Game Jolt du jeu, donc j'en suis pas sûr. Et donc, c'est un jeu indépendant, donc, et j'ai déjà un peu fait le début, ça a l'air vraiment d'être sympa. Donc, on est ici, ce petit bonhomme ici. Là, tout ce que je peux faire, c'est m'avancer gauche à droite. Et on a plusieurs cases, plusieurs pièces plutôt, qu'il faut relier. Donc les portes ici, elles sont fermées. Et quand on les relie, ça fait que... Hop, normalement... Ou pas. Attendez, les choses. Là, on peut pas aller par là. On peut pas aller par là. Ah oui, voilà, on peut bouger les pages. On peut faire ça. Hop, hop. Et voilà, donc c'est relié. Hop, j'appuie sur la touche F pour revenir sur mon petit personnage. Et maintenant, je peux avancer de case en case. Et voilà, donc c'est un concept très simple, mais innovateur, je trouve. Donc voilà, avec une douce musique de fond. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, là, c'est la sortie. Je pense que c'est comme ça. Voilà, on descend. On va ici. Hop, je peux descendre ici. Je peux pas monter là. Je sais pas. Ah si, j'ai quand même un jump. Voilà, et voilà. On va au prochain niveau, tout en sans chargement. Hop, on continue. Hop, hop. C'est vrai, le jeu est vraiment très beau. On peut voir sur l'arrière-plan qu'il y a plein de trucs. Ah, un nouveau aspect du jeu. Une clé. Comment on la prend? Non. Non. Je me trompe de touche. Ah, c'est E. Ah bah c'est écrit à côté aussi. Je vais essayer de mettre la souris autre part pour pas que ça vous gêne. Où est-ce qu'on arrive? Là, apparemment, on est dans un entrepôt. Donc, logiquement, faudrait... Pas bouger ça. Ah, pourquoi je peux plus bouger? Parce que le jeu aurait bugué. Ah non, le jeu a bugué, je ne peux plus bouger les trucs. Bon bah je reviens tout de suite. Donc voilà, nous y voilà, j'ai dû recommencer le jeu à zéro. Heureusement que j'étais pas bien avancé, en espérant que ça ne bug plus. Donc bon, ça a l'air d'aller. On va faire comme ceci. Donc en fait c'est un genre de puzzle. Donc je pense qu'il faut que je fasse ça, que j'aille là et que j'aille finalement là. Voilà. Donc oui, c'est totalement un puzzle. Hop, j'ouvre la porte avec ma super clé. Je monte et voilà. Regardez aussi, je peux tourner en arrière, avancer, en étant toujours dans le truc. Donc c'est pas une cinématique ou quoi, c'est moi qui contrôle le tout.
voilà. Ou pas voilà en fait. Moi je fais ma remontée là. Parce qu'il faut que j'arrête ce truc. Donc aussi comme ça, je me suis bloqué tout ça. Donc aussi, si par exemple on veut tricher, ben, et qu'on veut par exemple changer ça et ça pour faire ça, ben, ça va pas fonctionner. Ça va nous respawn là. Donc, comme ça, je peux pas faire ça. Ah ah, non, je ne peux pas faire. Donc, il fallait laisser comme ça, mais je vais faire comme ça et comme ça. Ouais, il fallait croiser juste les trucs. Pour la petite clé. Et voilà. Voilà. C'est vraiment un jeu très reposant parce que pour moi c'est pas si difficile que ça. Oh, attendez, il y a un petit film à gauche. Oh, c'est trop mignon. Bon, continuons. Et petit point d'interrogation. Ah oui, d'accord. C'est là que ça va devenir plus difficile parce que les pièces sont beaucoup plus grandes. Donc ouais, on va. Il y a une échelle ici. Donc je vais là, je prends la clé, je vais là, je vais là, je vais là. Je passe au-dessus ici pour pas me faire tuer par la scie. Je vais là, je monte, je prends une autre clé. Et c'est bon normalement. Je vais tout relier. Faut pas oublier de prendre la clé. Hop, on se prend pas la scie. Hop, on prend la clé. Hop. Et on va au prochain niveau. Dans les cartons de l'entrepôt. Donc ça se relie avec ça. Oula, ça va être difficile. Comme ça, je relie à ça. Donc, là, là. Ah, cette pièce-là, c'est dans le prochain niveau, on dirait bien. Donc là, ça devrait être ça. Ah, d'accord, c'est bien. Le contrôler. Merde, je suis trompé. Voilà. Et voilà. Niveau qui est juste à côté. Hop. Niveau de transition. Que j'appellerai. Donc.
La sortie est là. C'est une échelle. Donc on va la mettre ici au-dessus. Ah, ce serait ici du coup. De finir là. Attendez, je vais chercher la clé. Et si je vais là, et si je vais là, j'ai la clé, j'ouvre ça et je vais jusque là-bas. Est-ce que ça fonctionne? Ah, j'ai oublié de relier ça, je parie. Oui. Heureusement, ça me promet pas au début. Est-ce qu'on arrive ici? Oh, trop bien! Oh, génial! Thank you for paying the pedestrian demo. Donc, c'était une démo. Donc, créateur, ça a l'air d'être je sais pas le prononcer, désolé, c'est Shukum Arts. Donc allez sur son Facebook et sur son Twitter. Il y a même un site, shukumarts.com. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire sur la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!